Donc, une fois que nous avons bu notre coupe de vin, nous allons passer tout de suite au rortza. Rortza, qui est l'ablution des mains, nous allons nous laver les mains, et pour tout de suite après pouvoir manger le pain, qui est la matza ce soir, donc on va faire le moti, pour tout de suite passer au moti. Donc, une fois qu'on a fait la bracha de Netiyat Yadayim, qui sera de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvota Vetzvanu Al Netilat Yadayim, nous allons passer à Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Haaretz. Tout de suite, on enchaîne avec la seconde bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvota Vetzvanu Al Achilat Matzah. Une fois que nous avons mangé la matzah, nous allons prendre un morceau de, un morceau de maror, des herbes amères, et nous allons faire la bénédiction Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Al Achilat Maror. Une fois que nous avons fait le maror, nous allons faire le korer, qui est le sandwich, et le korer, nous allons prendre de la matzah, mélanger à de la charoset et des herbes amères. J'ai omis de vous dire que même pour le maror, on va prendre la première fois le maror, nous allons également le tremper dans de la charoset. Donc pour le sandwich, nous allons faire de même, mélanger charoset avec maror et la matzah. Pour ce qui est de la quantité, vous verrez avec le rabbin Kassavi ou le rabbin de votre communauté, pour pouvoir ensuite consommer. Juste avant de consommer ce sandwich, nous allons dire Zecher la Migdash, Kehillel Azaken, Shehaya, Korechan, Beochelan, Bebatachat, Le Kayema Shinema, Al Matzot, Umeorim Yochelu. Et ensuite, nous allons passer au Shulchan Horaire, le Shulchan Horaire, et là bien sûr c'est la table dressée, nous allons nous mettre à dîner tranquillement, et pour ensuite arriver au Tsafoun et Barer. Donc le Tsafoun, c'est juste avant de passer au Birkat Amazon, on va prendre un morceau de matzah, de la ficomane qu'on avait gardé tout à l'heure, qu'on avait mis sous la table, et nous allons le manger pour en souvenir du korban Pessah qui était fait à l'époque du Bet Amigdash. Bien sûr, après le tsafou, normalement, on n'a plus rien le droit de manger, et nous allons passer au Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, et ensuite vous ferez le Hallel accompagné du Nishmat Kol Chai, et ensuite le Mirtza avec les chants de Chad Gadia et Chad Miyodea, et tous les autres chants qu'on a coutume de chanter chacun dans nos communautés. Je vous souhaite Chag Sameach, passez un excellent Pessah, et que cette année, Be'ezrat Hashem, nous puissions voir la Geoula Bimera très rapidement. Amen, Teni Ratson, et sortir de nos maisons très 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 rapidement, et que nous soyons tous en très bonne santé. Amen. À bientôt. Au revoir.